Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors, le décor a un peu changé là en fait. Bon, c'est pas le meilleur décor qui soit, mais c'est juste que là je suis en cours. Alors, vous allez me dire comment je fais des vidéos en cours, ça se fait pas. En fait, c'est juste pour montrer à mes élèves comment j'enregistre une vidéo, puisque eux-mêmes devront enregistrer une vidéo. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. On continue les histoires de où j'en étais. Là, on va attaquer le livre 9 des Métamorphoses. Donc, je vous rappelle, Thésée, il était dans une grotte avec l'Achélous, qui est un fleuve. Et là, Thésée voit l'Achélous et il voit que là, il a une espèce de trou, comme s'il y avait quelque chose qui était cassé. Et on dirait que c'est une corne, qu'il a perdu une corne. Donc Thésée demande à l'Achélous, mais d'où est-ce qu'elle vient quand ça se fait que là, on dirait que tu as une corne qui est cassée. Et là, l'Achélous lui raconte une histoire. En fait, quand j'étais jeune, je suis tombé amoureux, enfin quand j'étais jeune, c'était il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, hein, je suis tombé amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Déjanire. Oh, il faut la voir, Déjanire, c'est vraiment une femme très 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 belle et dès que je l'ai vue, je suis tombé amoureux d'elle. Du coup, je suis allé voir son père et puis j'ai demandé à son père si elle voulait bien m'épouser. Sauf qu'il y avait quand même des concurrents. Il y en avait un certain nombre, ils ont fini par se retirer quand ils ont vu que moi, le beau Achélous, j'arrivais. Mais il y en avait un qui était quand même assez coriace, c'est Hercule. Oui, tu sais, Hercule, celui qui a fait 12 travaux là, Hercule. Oui, voilà, Hercule. Hercule, il va voir le père de Déjanire et lui dit, écoute, franchement, tu devrais me donner ta fille parce que moi, déjà, j'ai accompli 12 travaux, 12 exploits extraordinaires que Junon m'avait imposés, j'ai réussi à les surmonter. En plus, je suis quand même le fils de Jupiter. C'est pas rien quand même d'avoir pour beau-père Jupiter quand elle m'épousera. Et puis ensuite, bon, on va pas se leurrer. Je suis quand même plutôt beau gosse, je suis bien musclé, je saurai m'occuper d'elle comme il se doit. Et moi, l'Achélous, je vois Hercule et je dis au père de Déjanire, non mais attends, c'est n'importe quoi. Déjà, lui, il n'est pas immortel. Moi, je suis immortel, je suis un dieu, s'il te plaît. Ensuite, il dit que c'est le fils de Jupiter. Mais honnêtement, alors soit c'est un mytho, soit c'est vrai. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que sa mère a commis l'adultère, puisque sa mère a pas épousé Jupiter, à ce que je sache. Elle a épousé Amphitryon. Donc ça veut dire que il est le fruit d'un adultère. À sa place, moi, je la ramènerai pas trop à ce niveau-là. Hercule me regarde et là, je sens qu'il est en colère. Et il me dit, très bien, puisqu'apparemment t'as la langue bien pendue, on va voir si tu es aussi fort avec tes poings. Et là, Hercule, il se met en garde et il se prépare à se battre. Alors moi aussi, moi je suis un dieu quand même, je vais pas me laisser avoir par un petit mortel là. Moi aussi, je me mets en position de garde. Et on se rend l'un dans l'autre. Alors, tu penses bien qu'on va pas faire des trucs genre la boxe, etc. Ça, c'est pour les mauviettes, ça. Non, non, nous, on est vraiment à la lutte, au corps à corps. Torse contre torse, front contre front. Et on se pousse, on essaie de se décaler, de se faire tomber l'un l'autre, mais bon, moi, j'y arrive pas. Mais lui non plus, il n'y arrive pas, cela dit. Enfin, il n'y arrive pas jusqu'à ce qu'à un moment, il réussisse, je sais pas très bien comment, il réussit à me pousser mon bras et à passer derrière moi et à m'écraser. Ça fait un peu mal, mais je me laisse pas faire, je me débats, je me débats, je me débats, je me débats, et il finit par me mettre par terre et je mets le genou par terre. Mais le combat est pas fini. Moi, ce que je fais, pas de problème, je me transforme en serpent. Bah oui, ça je sais faire. Je me transforme en serpent. Et là, Hercule, vous savez ce qu'il fait? Eh ben, Hercule, il se marre. Attends, moi, les serpents, j'en ai eu quand j'étais dans le berceau et je les ai déjà matés. Alors toi, tu vas pas me la faire. Surtout qu'en plus, comparé à l'hydre de Lerne, tu sais, ce grand monstre-là, quand je lui coupais une tête, il y en avait deux qui repoussaient. Ça, c'était de la. Du défi, ça. Mais toi, t'es quoi, là? T'es un petit serpent, franchement, tu sers à rien. Il m'attrape et il commence à m'étrangler. Alors moi, je peux plus respirer, hein? Donc, ce que je fais, c'est que je me transforme en taureau. Il me lâche et là, je lui fonce dessus, mais il réussit à m'esquiver, à m'attraper les cornes et à essayer de me mettre par terre. Alors, je me débats, je me débats, je me débats, je me débats, mais Hercule a une force herculéenne et il finit par me mettre par terre. Et là, vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il attrape ma corne et il la casse en deux. Il casse ma corne en deux. Voilà. Et depuis, ça fait d'ailleurs la corne d'abondance qui permet de gagner beaucoup d'argent. Mais en tout cas, voilà comment j'ai perdu ma corne. Et voilà comment s'achève l'histoire d'Achélous. On aura l'occasion de reparler d'Hercule dans le prochain épisode. Je ne sais pas quand est-ce que c'est, parce que vous savez, je vous avais annoncé un épisode il y a très très longtemps. Là, celui-là, il tombe bien longtemps après. Pour différentes raisons. Il y a eu la reprise, le déconfinement, etc. Et puis surtout, moi, j'ai le CAPES à passer, donc j'ai pas mal de travail. Mais j'espère que dès la rentrée prochaine, on pourra se voir et puis. On continuera les aventures de vide. Sur ce, je vous dis à bientôt. Passez de bonnes vacances et ciao! Ciao!